comme une lame, rapide comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Je suis Sonic l'électronique, je suis Sonic supersonique. Cours par-ci, cours par-là, tu ne m'auras pas. J'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon camp. Et qui même me suivent, nous allons de l'avant. Je suis Sonic le sympathique, je suis Sonic le romantique. Moi, je te le dis, mon vieux. On arrivera bien un jour à éliminer ce monstre de Robotnik. Mais en attendant que ça arrive... Je vais t'écraser cette poterie sur la figure. Oh ah, ma nouvelle arme qui lance des rayons qui rendent idiots marche parfaitement. Je n'ai qu'à envoyer une seule giclée de rayons sur les habitants de Mobius et ils seront si abrutés qu'ils ne pourront me résister. Je crois que le moment est arrivé de faire le dernier test de ma nouvelle invention avant l'homologation. J'ai entendu dire que Robotnik et les deux merveilles qui l'accompagnent toujours rôdent tout près d'ici. Tu sais ce que ça veut dire? Oh, tu as raison, Sonic. Ça veut dire... de graves ennuis. Si j'arrive à atteindre ce maudit hérisson, après ce sera un jeu d'enfant d'abrutir la population de la planète. Ah, vous croyez que vous allez pouvoir m'échapper, vermine? Ah, affreux, affreux! Oh! Tu vas te ressaisir, bougre d'idiot! Comment ça va? Maintenant, ça va beaucoup mieux, votre suprême bêtise. Vous êtes sûr que votre arme fonctionne bien? Mais évidemment qu'elle marche! Tu as naturellement une telle couche de bêtise qu'on ne voit pas la différence! Fais 20 km à travers les marécages! Exécution! Non, à vos ordres, sergent Doberman. Oh! Oui, sergent, je crois que c'est une excellente idée. Oh, je vais bien rigoler, moi. Alors, vous achetez mon encyclopédie, oui ou non? La maison West Wesley vous offre une garantie spéciale. Ça a pas l'air très intéressant. Il n'y a pas une seule page d'imprimé. Mais voyons, mon cher monsieur, vous êtes un savant. Vous savez déjà tout et vous n'avez pas besoin d'apprendre. Cet ouvrage, c'est exactement ce qu'il vous faut. Moi, je ne suis pas de cet avis. Mais attendez, attendez. J'ai un autre article extraordinaire. C'est une imitation de pince coupante recouverte d'orfin. Laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. Vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Des bouquins entièrement vierges, j'achète la collection. Non, je vous en achète trois. Et les tenailles, et vos chaussettes puantes. Et tout ce que vous avez à vendre ici, dites-moi votre prix. Il est temps de lui montrer que je suis un super-héros. Ouvre tes mirettes, tu n'as encore jamais vu ça. J'avais déjà vu des chevaux voler, mais pas encore de mules. Hé, docteur, je fais une cible très facile. Je parie que tu n'arriveras pas à me toucher, même si je ne bouge pas. J'ai failli attendre. Tu as raison de rester immobile devant moi, hérisson de malheur. Je vais viser tranquillement. Non,
Regardez votre intelligence. Ne me dérange pas. Tu vois pas que je suis sur le point de me débarrasser de ce gêneur? Laissez-moi un petit peu tranquille. Je veux pouvoir apprécier cet instant magique. Oui. Je crois que ça va être un coup très facile. Non ! Docteur Robotnik ! Yeah ! Oh, ce monstre de Robotnik a reçu une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il a fait tomber sa mitraillette qui rend idiot. Avec cette arme, je vais pouvoir former d'excellents soldats. Je dois m'en emparer. Grâce à ce machin, je vais accroître mon chiffre d'affaires. Je dois le récupérer. Ce n'est pas cet objet que vous cherchez par hasard, les garçons? Oui! Je vous ordonne de me restituer ce qui m'appartient! Hé, attends, petit! J'achète! Combien en voulez-vous? Le secret défense l'emporte sur votre argent, espèce de simple civil! Il n'y a rien de plus important que ça. Vous n'êtes qu'un militaire de pérette. Je vais vous dire, ce sujet sera le premier chapitre de l'encyclopédie. Cette arme qui rend idiot m'appartient. Oh oui, vous croyez me faire peur avec vos médailles en chocolat? Retiens, je mange ça en chocolat. Espèce de civil, les médailles, retiens. On dirait que ces deux personnes agissent comme si elles avaient été touchées par le rayon. Eh, dites donc, les deux affreux. Regardez ce que j'en fais. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous allez arrêter de vous battre comme des chiffonniers. Il faut s'occuper maintenant du problème principal de notre planète. Le docteur Robotnik. Tu n'es qu'un stupide hérisson. Tiens, quand on parle du loup, qu'est-ce que tu veux, gros plein de soupe? Tu veux peut-être réparer ton tas de ferraille, hein? Tu as peut-être réussi à démolir mon arme à abrutir les gens, Sonic, mais je me souviens comment on la fabrique. Et je te garantis que la prochaine fois, je vais sûrement pas te louper. Je vais en fabriquer une énorme, un monstrueux canon capable de rendre idiot toute la planète d'un coup. Et quand il sera fini, je pourrai devenir le maître de Mobius d'un seul tir de mon nouveau laser. Essaie un peu de fabriquer ton canon et je te jure que je te transforme en hot dog. Et moi j'ajouterai la moutarde. C'est ce que vous croyez, parce que je vais construire mon nouveau canon à l'abri de ma forteresse flipperisée. Elle est absolument impénétrable. Personne, même pas vous, ne peut franchir ses défenses dynamiques. Dès que le canon sera prêt, il ne restera plus le moindre habitant de la planète que je ne contrôlerai pas. Pas même vous. Hé, hey, on doit l'empêcher de nuire. Qu'est-ce que nous allons faire? On ne peut pas entrer dans la forteresse flipperisée. Ne perds pas courage, mon vieux Taze. Je suis déjà allé voir sa forteresse. Il y a des pièges un peu partout, mais on va y entrer. Un nouveau canon géant pour abrutir les gens. Si j'arrive à m'emparer de cette arme, je transformerai toute la population en soldats. Avec cette arme, je métamorphoserai les gens en consommateurs idiots. Je suis volontaire pour participer à l'expédition. Avec mon expérience militaire, nous sommes certains de pouvoir pénétrer dans la forteresse de Robotnik. Non, je vous accompagne. Mon entreprise a vendu à Robotnik la plupart des pièges qui sont dedans. Et je sais où ils se trouvent. En pèlerin, civil! Nous n'avons pas besoin de vous! Ce qui est inutile, c'est le fromage blanc qui vous sert de cervelle! Ah oui! Tu es sûr? J'en suis sûr! Qu'est-ce que tu en dis, Sonic? On ne va pas s'embêter avec Robotnik et ses deux garçons! Ils nous réservent, oh, des surprises! J'ai failli attendre. Ah,
vrai, on pourrait peut-être prendre le prochain bus pour la forteresse. Non, il n'y a pas de bus qui passe ici, civil. Il n'y en a pas? Faites-moi penser de leur en vendre un. À droite, vous apercevez la forteresse flipperisée de Robotnik. Visitez les bassins d'acide et vous allez mourir dans les pires tourments. Je vais faire fortune. Vous n'avez pas la moindre chance de réaliser vos souhaits si on n'élimine pas le docteur Robotnik. Maintenant que nous sommes en vue de notre objectif et étant donné mon grade, je prends le commandement de l'expédition. Nous allons emprunter le chemin sud pour nous rendre à la forteresse. Pousse-toi de là, Doberman. C'est moi qui commande jusqu'à nouvel ordre. Et je dois vous dire qu'à présent, il est temps de regarder ce qui se passe vu du ciel. Heureusement, j'ai mon espion volant. Alors, quelle est la situation, vieux frère? Ça va être très dur, Sonic. Il y a des obstacles en plein milieu de la route sud. Elle est complètement barrée. Il vaut mieux en prendre une autre. J'ai reçu ton message 10 sur 5. Essaie de savoir ce qu'ils ont l'intention de faire. Oh non, Robotnik et ses deux aides sont en train de terminer la construction de leur monstrueux canon. Je crois qu'on a intérêt à mettre le turbo, les gars. Et j'espère que vous êtes prêts. Il n'y a pas un instant à perdre. Mais comment va-t-on passer? Tout le secteur est truffé de mines et de pièges très sophistiqués vendus par ma société et je les ai posés moi-même. Nous allons prendre une route à laquelle ils ne s'attendent pas. On va emprunter un chemin aérien. Je parie que tu n'arriveras pas à la frapper fort. Tu veux rire? Regarde bien. Allez, lance la balle. C'est parti, mon kiki. Je crois qu'il va marquer un point. 1, 2, 3, partez. Et c'est sans compter la surprenante vitesse du rattrapeur. Voilà, il va la voir. C'est une incroyable réception, mesdames et messieurs. L'autre bout est attaché. Les gars, vous pouvez passer. Je suis désolé, monsieur le civil. Il n'y a qu'une poignée à laquelle on puisse s'accrocher. Je crois que la capture de l'arme de Robotnik va s'effectuer sans vous. Vous n'irez pas seul. Vous ne la récupérerez pas sans moi. Lâchez-moi, Triplido, je vais finir par tomber. Ah, ne me touchez pas, hein. Oh, non. Bravo, les gars. Et c'est ce qu'on appelle faire une entrée tout à fait théâtrale. On va écouter la radio. Quelles sont les nouvelles? Je n'ai qu'un seul mot à dire, Sonic. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Attention! Il faut que nous franchissions cette porte. Ah, mais c'est un acier en chrome, silicium, manganèse, lithium, bellirium, et c'est un alliage très résistant. Elle est quasiment indestructible. Et une fois qu'elle est fermée, il faudrait des heures pour réussir à l'ouvrir. Oh. Nous n'avons pas des heures. Bon, en cas de coup dur, il y a une petite faille dans la protection dont l'entreprise n'aime pas tellement qu'on parle. Mais je pense qu'un jour nous réussirons à la rendre vraiment indestructible. Allons-y! Et dépêchez-vous! Bon sang! Ils ont réussi à rentrer! Mais peu importe! Ils n'arriveront pas à échapper à mon scorpion. On a intérêt à calculer, Angela, sinon on fait tilt! Dotez-vous de mon chemin! Attendez! Oui. Non! Oh. Regardez! Ah, vous pensiez violer impunément ma forteresse flipperisée, n'est-ce pas? Vous allez comprendre rapidement ce qu'il en coûte. Finissons-en avec eux, votre ignominie. Crevez leurs yeux! Leurs yeux, sombre idiot!
Quoi? Laissez tomber, abruti. Retournez immédiatement bosser sur le canon. Ah, je vais préparer le barbecue pour faire cuire les brochettes de hérisson. Ah, vous ne pouvez plus m'échapper. Laissez-le moi. Je crois qu'il est devenu fou. Rambo, est-ce que tu as fini ton entraînement? Vous proposez quoi à la place? Tu ferais bien de te préparer dès maintenant à être exterminé. Je ne m'attendais pas à une telle proposition de votre part. Laissez-moi lui en faire une. Mais je vous avertis, elle risque d'être blessante. Impressionnant ton numéro, mais tu n'atteindras jamais mon scorpion. Est-ce que tu as fini maintenant? Non, mais je pense que ton monstre va bientôt cesser d'exister. Regarde. Quoi? Non! Non! Dépêchons-nous! Bon sang, il a réussi à détruire mon scorpion. Mais ce n'est pas important, parce que dans très peu de temps, vous serez tous contrôlés par le docteur Robotnik, ainsi que le reste de la planète. Est-ce que vous avez bientôt terminé mon canon? Ah, je viens de le finir, votre répugnance. Non, c'est moi qui termine le travail. Je m'en fiche, idiot. Vous allez pointer le canon sur la porte et quand je dirai feu, vous tirerez. Oui, chef. Espèce de vermine bourrée de piquants, tu te crois sans doute assez futé pour m'avoir. Dès que tu franchiras cette porte, tu deviendras abruti. Tellement stupide que je pourrais faire de toi mon esclave. Deux, trois, entrez. Docteur Robotnik, hein? C'est toi? Oui, monsieur. Je suis venu pour me rendre. Quoi? Oui, vous avez gagné. Je me rends. Je suis désolé pour le dérangement. Oh, tenez, voici un lot de consolation avec mes excuses les plus plates. Un cadeau? Oh, comme c'est gentil. Vu ton changement d'attitude à mon égard, je consens à utiliser une méthode de mise à mort parfaitement indolore. Qu'est-ce que tu dis de ça, Sonic? Moi? Bah, ça me convient tout à fait. Ah, c'est une farce! Je t'ai eu, hein! Nous allons détruire ton canon à abrutir les gens une bonne fois pour toutes! Ce laser à abrutir les civils m'appartient! Il me permettra de créer l'armée la plus obéissante du monde! Non! Cette mitraillette m'appartient! Elle me permettra de devenir le meilleur vendeur du monde entier! Non! Oh non, il est encore là, celui-là. Le canon à abrutir les gens est à moi. Il est à moi et vous n'avez pas le droit d'y toucher. Gna 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 gna. D'accord, tu l'auras vu. Je vais d'abord te faire sauter la cervelle. Tirez. Vous jouez les castagnettes, votre musicalité? Je dis feu, espèce de tas de ferraille. Oh non. Est-ce que ça va, docteur Robotnik? Oh, la jolie manette. Oh, il a appuyé sur le levier qui déclenche la destruction. Et là, ici. Est-ce que vous avez mesuré la portée de votre acte? Je crois qu'il est temps de s'éjecter de l'avion. Vous êtes trop lourd, je n'arrive pas à vous soulever. Non!
Voilà qui met un point final à cette arme diabolique. Désolé pour vous. De toute façon, les meilleurs soldats sont les plus intelligents. Et s'il n'y avait que des imbéciles sur la planète, mon travail ne serait pas intéressant. Merci pour votre aide, mes amis. Nous avons formé une sacrée équipe. Oui, vous avez raison. Ouais, c'est bien vrai. Non. Ah, nous allons recommencer. Non, votre stupidité. Ne touchez pas à ce levier. Ah, oh, je sais vraiment pas pourquoi, mais je hais ce hérisson. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Voilà, ça y est, mon nouveau canon abrutissant est enfin terminé. Tirez. Oh, ah, Mes amis, vous savez, il y a trois façons de ne pas rester idiot. La première, aller à l'école. La deuxième, aller à l'école. La troisième, ne pas oublier les deux premières. Sonic, allez, accrochez-vous. Tant pis si je cours plus vite que vous. Sonic, le champion, c'est bien moi. Vous traînez le pas. Vous ne m'aurez pas. Sonic, plus rapide que moi. Plus malin, plus rusé, y'en a pas. Et si vous tentez de me dépasser, il faudra vous accrocher. Cosmic Jam.